La Hola Magna aussi, qui était une grosse salle de réception connue un petit peu partout dans l'Europe. De feestzaal was ook de moeite om te bekijken. Het is wel jammer dat in 1700 het gebouw is afgebrand, want het was volgens mij wel imposant. Nu, de ruïnes geven wel een impressie van hetgeen wat het ooit geweest was. The old chimney where the kitchen was, which is now the entrance to the Great Hall. Welk stuk waren we daar straks in de keukens aan het fantaseren? Dat daar de kok en de kokkin echt het eten gemaakt heeft voor de mensen hierboven in de feestzaal. Dus het is toch wel leuk om te denken hoe het vroeger was. Les pierres de l'ancienne salle, les pierres bleues de l'ancienne salle de Para, qui sont tombées où les choses effondrées. So you can see the whole collapsed floor, just as it was, and you can see all the tiles laid out as people used to be walking on it, and it's actually really incredible. Die dansvloer, ja. De dansvloer van de grote feestzaal, dat je nog stukken kan zien van de echte feestzaal van vroeger, van de Aula Magna. Bon, Aula Magna, je pense c'est le quand même l'endroit le plus emblématique du lieu. Aula Magna. Salle qui avait le trône, donc c'est là qu'ils faisaient la fête et c'est là que Charles Quint a donné son trône à son fils Philippe II. Il y avait une table super magnifique là-bas. Ouais, j'avoue.